Moi, de ce que je ressens, c'est donc pas du tout de perte de tonus, au contraire, moins de fatigue, une bonne récupération au niveau des entraînements enchaînés, puisque je suis entre 10 et 15 entraînements à la semaine, et ça dépend de mon travail aussi, et du temps que j'ai, et de la préparation que j'ai à faire. J'ai pas de coup de mou durant la saison, souvent, les années précédentes, je vais commencer fort le début de saison, et ensuite je vais, avec la fatigue qui va s'accumuler, je vais fatiguer, mon entraînement sera pas aussi intensif que j'aurais espéré, et du coup grâce au produit j'arrive à être constant durant mes efforts à l'entraînement. Auparavant je ne pouvais pas en fait manger juste avant de courir. Donc j'avais régulièrement des coups de barre pendant mes entraînements ou mes compétitions, puisque manger même un petit peu me donnait des points de côté, ou voilà, j'avais un sentiment de mal-être au niveau intestinal, alors que maintenant je peux prendre des produits Energy Diet juste avant, une heure et demie avant les entraînements ou les compétitions, et je sens que je n'ai plus ce coup de barre que je pouvais avoir pendant la compétition. Nous, vous savez, en VTT, le poids, c'est l'ennemi. L'ennemi numéro un. Et à l'approche des grosses compétitions, on essaie de perdre le petit poids, qui est un peu de trop, le petit kilo. Et souvent, quand tu essaies de perdre du poids, eh bien, tu rentres facilement en carence. Et tout l'avantage de cette gamme, elle est essentielle, c'est que tu peux gérer ton poids tout en étant certaine de ne pas entrer en carence. Ça, c'est essentiel. Je prends un Energy Diet pour commencer la journée. Je prends aussi la boisson Sport Effort quasiment à chacun de mes entraînements, surtout pour mes compétitions, puisque là, on a les Championnats de France dans à peine 2 semaines. Donc, c'est sur une durée environ de 2 heures, un grand maximum. Il faut s'hydrater, donc la boisson Sport Effort, pour ça, elle est top. Donc souvent, moi, le matin, je commence par les compléments Energy Diet type Anteox, Oméga 3 le matin, avec un shaker d'Energy Diet. Avant l'entraînement, je prends un Energy Diet aussi pour me préparer à l'effort. Et ensuite, directement dans les 30 minutes après mon entraînement, je prends aussi un Energy Diet pour refaire mes ressources énergétiques. Et en fait, ce qui a vraiment de mieux pour moi, c'est manger 4 heures avant la compétition, quand ça le permet. Et ensuite, 3 quarts d'heure avant le début de l'échauffement, je prends une Energy Diet supplémentaire. Et après, je pars sur une boisson d'attente, que l'on appelle. C'est-à-dire, ce boisson Butisane Effort, en moins concentré, jusqu'au début de la compétition. Et quand vraiment j'ai la possibilité derrière, je prends une Energy Diet pour mieux récupérer à l'issue de la compétition. Voilà. Je prends les produits donc 2 fois par jour, le matin et le soir. Je prends aussi également des oméga 3, en complément alimentaire, qui m'aident à avoir la pêche. Et également tout ce qui est boisson d'effort pendant l'entraînement, qui me permet aussi d'avoir suffisamment d'énergie tout au long de ma séance et me réhydrater correctement. C'est très pratique, juste à mettre le lait, la poudre, on se coud et en 2 minutes c'est prêt à peine. Et après, en termes de récupération et de courbatures, c'est là que j'ai vraiment senti une différence, notamment sur les courbatures. Avant, passé 2h30, je bloquais. C'est-à-dire que j'étais en hypo, je n'avais plus d'énergie, mon corps n'arrivait plus à m'apporter l'énergie nécessaire. Mais du coup, maintenant, eh bien, ça passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'arrive à 3h30, 4h, où je n'ai pas ce gros coup de bas, et alors que j'amène toujours autant d'énergie qu'avant. J'ai eu des soucis de crampes dû à une mauvaise gestion de mon alimentation, et grâce à Butisane, j'ai pu justement combler ce manque et ne plus avoir ce souci de crampes. Ça m'a permis en fait de trouver un équilibre de manière à ne pas perdre en masse musculaire et perdre ma masse grasse et de m'affiner au niveau de ma silhouette. Perdre le poids, c'est pas compliqué, on diminue les calories. Mais la difficulté, c'est de diminuer les calories tout en conservant les vitamines et les minéraux nécessaires à notre organisme. Donc le corps qui s'assèche tout simplement, et voilà, au niveau pareil des analyses sanguines, j'ai déjà fait un bilan tip top, en sachant que j'avais facilement du cholestérol et du mauvais, et aujourd'hui j'en ai plus, donc là aujourd'hui le contrat est plus que rempli. Je suis vraiment super satisfaite des produits Energy Diet, ils sont super bons, et puis en plus je me dis que je ne pourrai plus m'en passer.